Donc le premier. Les trois portes du corps de la parole et de l'esprit. Tchaksellos, qui veut dire je me prosterne avec respect. Respectueusement, je me prosterne. En fait, les prosternations mentales, c'est la dévotion au Bouddha, au Dharma, à la Sangha. Donc la dévotion, c'est la prosternation mentale, en pensant à leur qualité, en fait. La prosternation de la parole, c'est exprimer leur qualité. Pour la première prosternation, en fait, pour la prosternation physique, en fait, vous mettez les mains, vous joignez les mains au niveau du cœur et vous faites des prosternations. Mais ici, en fait, vous imaginez qu'il y a un nombre incalculable de corps et certainement le mieux, en fait, c'est si vous avez reçu des initiations et de... En fait, vous vous générez en tant que chaîne récit et vous visualisez en fait grand comme une montagne et vous imaginez que vous couvrez le sol, le plus d'espace possible sur le sol, dans les quatre directions. En fait, vous vous imaginez que vous couvrez tout l'espace sur le sol. Et donc, en fait, vous visualisez que votre corps en fait couvre tout le sol dans les quatre directions. Et donc vous faites des prosternations au champ de mérite. En fait, plus on peut visualiser de corps qui se prosternent, plus on va créer en fait de causes pour l'éveil avec une seule prosternation. Donc, en fait, ça, on ne questionne même pas du coup en fait combien on crée les causes pour le bonheur ultime, pour la libération du samsara, pour l'éveil total en fait. En fait, tout vient comme un effet secondaire en fait. Le bonheur des vies futures vient comme un effet secondaire, le bonheur de cette vie-ci. Et même en fait, si vous avez complètement renoncé, tout le bonheur de cette vie-ci vient comme un effet secondaire, c'est naturel. En fait, comme il est mentionné dans le Lankavatara Sutra, en fait, si votre corps, en fait, quand vous faites des prosternations au Bouddha et aux trois joyaux, s'il y a un atome qui est couvert par votre corps, vous créez des mérites. Vous créez la chance du karma positif
pour vous réincarner comme un roi du Dharma. Pour un millier de vies. En fait, en couvrant un seul atome avec votre corps, quand vous faites des prosternations, vous créez assez de mérite pour vous réincarner pour un millier de vies en tant que roi du Dharma. Et donc, en fait, Kyabche Choden Rinpoche a dit que quand un roi du Dharma, en fait, quand un roi du Dharma vient dans le monde, en fait, deux rois du Dharma ne peuvent pas apparaître en même temps dans le monde. C'est comme quand un Bouddha apparaît sur la terre, en fait, un autre Bouddha ne peut pas apparaître en même temps sur la terre. Dans le même monde, ça n'existe pas. Donc, en fait, un roi du Dharma, il peut y en avoir qu'un seul à la fois. Et donc, quand un roi du Dharma apparaît dans le monde, alors à ce moment-là, tout le monde est capable de vivre sa vie de manière vertueuse, de vivre dans les vœux, tout le monde est capable de vivre dans les dix vertus. Et tout le monde est capable de garder le corps, la parole et l'esprit dans la vertu, tout le monde sur la terre, à cause du pouvoir et des mérites du roi du Dharma. C'est absolument incroyable. Et donc, pour en revenir à ce que je disais, si en fait il y a un atome qui est couvert par votre corps, un seul atome, vous créez le mérite et le karma pour renaître un millier de fois comme un roi du Dharma. Donc c'est absolument wow, c'est absolument incroyable. Et donc on dit qu'en fait, la raison pour laquelle c'est l'exemple du roi du Dharma qui est utilisé, en fait, c'est que pour renaître en tant que roi du Dharma une seule fois, vous devez avoir accumulé un nombre incalculable de mérites. Donc c'est le Bouddha a donné cet exemple pour donner la mesure, en fait, pour donner une idée. Avec un seul atome, on crée le mérite pour renaître comme un roi du Dharma pendant un millier de vies. Et donc, il est dit que dans les enseignements que je pense que c'est Lama Tsongkhapa, en fait, qui a dit que même si vous visualisez, juste en visualisant un corps de plus, en fait, si vous visualisez un corps de plus que le vôtre qui fait les prosternations, en fait, alors, ce corps qui est visualisé accumule la même quantité de mérite, en fait. En fait, tout dépend de la visualisation du corps, ça dépend de la taille. En fait, si vous visualisez un corps de la même taille que le corps qui fait des prosternations, alors à ce moment-là, vous accumulez exactement la même quantité de mérite que le corps qui fait des prosternations. Donc c'est ça qui est mentionné dans les textes. Et donc en fait, c'est pour ça que c'est
que la main de son kappa donne ce conseil de visualiser un nombre incalculable de corps tout autour de vous quand vous faites des prosternations. Parce que bien sûr, quand vous visualisez, il n'y a pas de restriction. C'est... En fait, il n'y a pas de résistance en fait pour il y a rien qui bloque les corps en extra en fait, ça dépend en fait, vous pouvez les visualiser très très grands en fait la visualisation parce que vous pouvez les visualiser aussi grands que vous voulez en fait, aussi grands que les montagnes. Il n'y a pas de résistance en fait, ils ne sont pas restreints, donc vous pouvez les visualiser en fait dans les quatre directions en fait, dans tous les quatre coins du monde en fait, vous pouvez les visualiser comme couvrant le monde entier en fait. Et c'est pour ça que Lama Tsongkhapa, en fait, c'est pour cette raison que Lama Tsongkhapa a mentionné cela. Et vous ne pouvez pas imaginer, en fait. Et donc, quand votre corps de maintenant, en fait, fait des prosternations, même vos doigts, vos cheveux, si vous avez des cheveux longs, par exemple, un des avantages, c'est que quand vous faites les prosternations, à ce moment-là, vous accumulez. En fait, si vous avez des longs cheveux et qu'ils sont sur le sol, ça couvre tellement d'atomes que vous accumulez encore plus de mérite. Donc, je ne sais pas, par exemple, si on peut dire qu'il y a un nombre incalculable de cheveux, et donc ça couvre un nombre incalculable d'atomes. Bon, donc pour ceux qui ont des longs cheveux, en fait, c'est un avantage, en fait, parce que quand vous faites des prosternations, vous couvrez plus d'espace. En fait, parce que en plus, c'est souvent un des objets d'attachement les plus communs dans la vie. Pas le nez, mais les cheveux, en fait. Donc, les orteils, les doigts, en fait, il faut que ce soit étalé, en fait, même en fait, l'espace couvert par un orteil, en fait. En fait, de ici jusqu'au fond, en fait, c'est incroyable le nombre d'atomes que ça couvre. Et donc, vous voyez, en fait, chaque doigt, chaque orteil, chaque cheveu, le nombre d'atomes que ça recouvre, c'est... Même une toute petite partie du corps comme ça, enfin, un orteil ou un cheveu, un doigt, ça couvre des atomes. Et donc, ça crée le même nombre de mérites que le nombre d'atomes que cela couvre. Et donc, vous créez le mérite de renaître comme un roi du Dharma pour des milliers de vies, en fait. En fait, c'est
Et ça, c'est sans même parler du corps, de la partie principale du corps, hein, du buste, des jambes, etc. Donc vous imaginez tous les mérites que ça crée, c'est incroyable. En fait, chaque atome que vous couvrez correspond au nombre de fois où vous réincarnerez en roi du Dharma. Et ensuite, il y a votre corps en entier, votre buste, vos jambes, vos bras. Et donc, si vous visualisez, en fait, vous pouvez visualiser que vous êtes long comme une montagne. Et en fait, si vous avez reçu l'initiation de Chenrezig, vous pouvez vous visualiser comme Chenrezig à 1000 bras. Et du coup, c'est très facile de couvrir de l'espace. Et même si vous n'avez pas reçu d'initiation, de grandes initiations, alors, en fait, avec votre corps ordinaire, vous le visualisez aussi grand qu'une montagne, très très grand, et en fait, ça couvre les quatre directions et de tous les coins du monde. Et donc, à la minute où vous commencez à vous pencher, vous devez commencer à visualiser, en fait. En fait, et juste après que votre front ait touché le sol, là vous devez penser, en fait, hein, vous devez. Mais en fait, j'ai rajouté quelque chose. Donc, en fait, comme je parle de ça, en fait, je ne vais pas parler non plus de, je vais pas rentrer dans les détails à parler des bienfaits. En fait, il y a 8 ou 10 différents bienfaits en fait, en fonction des différents lamas, et tout ça, c'est basé sur les enseignements du Bouddha. Je ne me rappelle pas vraiment cette fois-ci, mais cependant. Donc là, c'est la motivation du début, la bodhicitta. Vous mettez les mains donc jointes au-dessus de la tête. Vous avez les pieds qui sont l'un à côté de l'autre, et vous dites, je vais me prosterner devant le Bouddha, le Dharma et la Sangha, qui ne sont qu'un avec qui ne sont qu'un avec le maître racine, et je me prosterne également devant dans les 10 directions, devant tous les Bouddhas, les stupas, les statues, les textes. Et même, je me prosterne dans les 10 directions devant tout le Bouddha, le Dharma, la Sangha. Je me prosterne dans les 10 directions devant tous les stupas, les statues, les textes. Et pourquoi? En pensant au gourou, en fait. Parce que ça, c'est une méditation, en fait, c'est ce que vous devez réaliser. Et
En fait, en pensant au maître, parce que votre pratique, c'est le guru yoga, et donc en pensant au maître, vous accumulez la plus grande quantité de mérite possible, en fait, en vous prosternant et en pensant au maître. Et ça, c'est la raison pour laquelle on fait cela. Parce que, et donc, ça devient une pratique du guru yoga également. Si par exemple vous ne faites que trois prosternations, alors juste au début, en fait, à chaque prosternation, c'est bien de faire comme cela. Mais quand vous faites beaucoup de prosternations, peut-être au début, vous commencez à faire comme ça, en fait, pour les premières prosternations. Et en fait, quand vous commencez à vous baisser, je me prosterne. Donc je me prosterne devant tous les Bouddhas, Dharma et Sangha, devant toutes les statues, les textes qui sont comme le gourou, qui sont le gourou. Et quand vous Et donc, quand vous commencez à à descendre, à vous allonger, en fait, vous pensez, je me prosterne devant le nombre incalculable de Bouddha, Dharma, Sangha, les stupas, statues, les textes qui sont le gourou. Et ensuite, en fait, au moment où vous posez le front contre le sol, et le front doit toucher le sol. En fait, je me rappelle du troisième cours de méditation à Copan. Où est Dr Nick? Donc, Dr Nick et Yeshe Kandro, en fait, et Tom et Cathy sont venus. En fait, ils étaient allongés, en fait, sur la plage, je sais plus où. Ils étaient à la plage à Bali, et en fait, ils mangeaient. En fait, ils étaient en train de manger une noix de coco, et puis il y a un homme qui est venu, un occidental, et en fait, il parlait comme ça. Ils étaient supposés faire le tour du monde. Et en fait, cet homme qui arrivait, il leur a dit qu'il y avait un cours de méditation à Copan. Donc, eux, ils n'ont pas fait le tour du monde. Ils sont partis directement à Copan. Et c'est comme ça que ça. Voilà, ça a commencé comme ça. En fait, ils avaient juste commencé leur tour du monde. Et puis, ça s'est arrêté tout. Ça s'est arrêté comme ça. Et donc à Copan, c'était le troisième cours dans la vieille Gompa, en fait. Et donc à partir de là, dès le troisième cours, en fait, la vie était déjà assez occupée, en fait. Nick a commencé à donner un traitement à Lama Yeshe, en fait, des injections. En fait, Yeshikadro, juste après la fin du quatrième cours, en fait, on a commencé à travailler sur un livre. Donc on a commencé à travailler sur ce livre, le soleil doré qui accomplit tous les souhaits. Donc je ne sais plus si c'était après le troisième ou le quatrième cours, en fait. Mais en fait, ensuite, j'ai commencé à travailler avec Nick. En fait, il était utilisé. On a utilisé ça pendant tellement d'années à Copan, mais en fait, on n'a pas réussi à le finir, ce livre. Et
Et donc ensuite, il y avait ses amis, ses étudiants, Tom et Cathy, en fait. Ils ont acheté un terrain en Australie et c'est devenu le centre Chenrezig. Et donc, en fait, ils ont acheté ce terrain, et ils ont commencé à investir et ils ont commencé à aller autour du monde, en fait. Et donc, au quatrième cours, en fait, Tom et Cathy sont venus, et puis la mère de Nick est venue pendant le quatrième cours. Et en fait, on faisait les huit préceptes on faisait les huit préceptes du Mahayana. Et en fait, l'histoire, c'était que la mère de Nick, en fait, quand elle faisait les prosternations, elle ne voulait pas mettre son front sur le coussin des autres gens. Mais en fait, par contre, ça la dérangeait pas de mettre son front sur le coussin de Nick. Ça, quand elle se prosternait, ça, elle voulait bien le faire. Moi, je me rappelle de ça. Donc c'était il y a très trop longtemps en fait, parce que c'était le quatrième cours en fait, c'était dans la vieille Gompa, et donc en fait tout le monde ne tenait pas dans la vieille Gompa, et donc on avait dû mettre des tentes à l'extérieur. Ça c'était au cinquième cours en fait. Mais en fait c'était très... En fait, c'était très très dur. L'herbe était très sèche et tout faisait mal. Et en fait, et donc les moines dormaient là. Et en fait, ça s'appelait le c'était le renoncement de Copan, du monastère de Copan. C'était à cette époque-là, c'était vraiment le monastère de Copan très ascétique en fait. Mais il n'y avait pas vraiment le choix. Mais c'était très très bien. Je pense que c'était très très bien. Mais il y avait beaucoup de difficultés. Mais c'était vraiment, en fait, il fallait vraiment supporter beaucoup de difficultés pour pratiquer le dharma, en fait. Il n'y avait pas... Il fallait sacrifier beaucoup de choses pour pratiquer le dharma. Maintenant, je pense que... Maintenant, c'est un hôtel 5 étoiles, 6 étoiles. C'est un monastère 6 étoiles maintenant. Peut-être même 7 étoiles, c'est un monastère 7 étoiles. C'est comme les hôtels en fait. Mais je pense que c'était très très bien à cette époque-là, vraiment très bien. C'était très simple. On était pauvres en fait, c'était pauvre, simple, mais en fait. Il y avait beaucoup de sacrifices en fait pour vivre le dharma et ça c'était très très bien. Donc en fait à partir de ça jusqu'à maintenant ça s'est beaucoup développé, c'est beaucoup de développements en fait qui sont arrivés à Copan et beaucoup de temps qui a été développé pour la pratique, beaucoup de choses qui ont été dédiées à la pratique. Mais en fait, bien sûr, il y a eu beaucoup de gens en fait qui ont aidé, mais je pense que en fait, à cette époque-là, donc on avait commencé à travailler sur ce livre pour une durée pour une période de temps assez longue. Et donc, en fait, c'est là que Lama a demandé en fait de faire la maison de publication Wisdom Publication. Et donc, Nick, en fait, a travaillé pendant très longtemps. Donc, en fait, c'est pour pas mal d'années. Donc, c'était quand? Et donc, Nick répond, ça, c'était en 1975. Et donc, à partir de là, Nick a commencé à travailler continuellement sur les livres.
Et c'est comme ça que Wisdom Publication a commencé. Et au début, c'était à Londres. Maintenant, en fait, c'est Tim qui fait ça, en fait. Et Nick essaye de regrouper pas mal d'informations à propos de la main, à propos de mes propres bumbling. En fait, il s'occupe des archives, il réunit, il produit des livres. Et ça a vraiment un grand, grand bienfait pour le monde, en fait. C'est tellement d'années, en fait, de dédier sa vie, en fait. Et bien sûr, il y a d'autres personnes qui ont aidé, mais c'est tellement d'années de sa vie dédiée pour cela. C'est un grand, grand bienfait pour le monde. Et parce qu'en fait, ces livres sont partis à travers le monde et ça a été bénéfique à tellement de gens. Et c'est ça, en fait, ça plante les graines de l'éveil dans le cœur des gens. Et ça permet de réaliser, en fait, les différentes voies. Et donc, en fait, ça a permis aux gens de pratiquer, de purifier leur karma négatif, d'accumuler un nombre extensible de mérites et donc doucement, comme ça, doucement, ça amène les gens à l'éveil, à la libération. Et donc, en fait, maintenant, en fait, maintenant, le monde reconnaît ses qualités. Donc en fait, quand on reconnaît les bonnes qualités dans le monde, on est capable d'être encore plus bénéfique, en fait. Et je pense que l'idée à partir de là, c'est de avec les archives, en fait, je pense qu'il y a des choses que Wisdom Publication publie à partir des archives. On revient en prosternation. Donc, après que vous ayez pensé que votre corps couvre en fait, couvre toute la surface dans les quatre directions, dans tous les coins, en fait, il y a le champ de mérite et vous avez l'autel devant vous. Et votre corps, en fait, couvre dans les quatre directions et tous les coins de tout l'hôtel, toute la terre entière. Et vous allongez sur le sol. Et maintenant, en fait, et donc, en fait, vos corps visualisés
accumule autant de mérite que le corps réel qui fait le corps véritable qui fait les prosternations. En fait, plus vous le visualisez, en fait, que vous l'ayez visualisé grand ou petit, en fait, il accumule ce corps visualisé, il accumule les mêmes mérites que le corps qui se prosterne. Et donc, en fait, ces prosternations, pour pouvoir accumuler un grand nombre de mérites, en fait, en même temps qu'en en faisant, en fait, une pratique de purification très, très puissante. Alors, en récitant les 35 Bouddhas, ça devient une pratique absolument incroyable. Je pense que c'est pour ça que Lama Tsongkhapa a dit des milliers de. Des centaines de milliers de prosternations, en fait, en récitant les noms des 35 Bouddhas. Et ça, c'est une manière incroyable d'accumuler des mérites. Et, en fait, donc j'ai demandé à Kyabjeden en fait, pourquoi dans l'histoire de Lama Tsongkhapa, en fait, on ne parle pas de Vajrasattva. On parle tellement des 35 Bouddhas, mais pas de Vajrasattva. Je sais plus, en fait, je sais plus, je crois que je lui ai écrit une lettre et Kyabjeden Malocha en fait, m'a répondu et il a dit, c'est parce qu'en fait, si vous faites une fois, en fait, si vous faites une seule fois la prière des 35 Bouddhas de la manière correcte, si vous la faites une seule fois de la manière correcte, en fait, ça a le pouvoir de purifier. Ça a le pouvoir de. En fait, ça a le pouvoir donc de purifier les cinq karmas négatifs les plus lourds. En fait, sans une pause pour les autres vies, en fait. Ça veut dire sans interruption. En fait, ça veut dire qu'en fait, que ce karma négatif, ce karma négatif qui est incroyablement puissant. Donc, bien sûr, encore plus négatif comme karma, c'est le karma que l'on a accumulé à l'encontre de nous, maître, à l'encontre de notre gourou. Mais ici, là, ce karma négatif accumulé en faisant les cinq actes, je sais plus comment on les appelle, les cinq actes à rétribution immédiate. En fait, donc c'est un karma qui est accumulé sans interruption dans une autre vie, en fait. En fait, c'est un karma qui est accumulé sans interruption par une autre vie. C'est tellement lourd, en fait. C'est d'avoir tué son père et sa mère, d'avoir fait couler le sang d'un Bouddha, avoir créé un schisme dans la Sangha, avoir tué un arhat. Donc ça, ce sont des karmas qui sont tellement lourds. Et donc même si en fait il y a tellement un nombre incalculable de karmas négatifs, en fait, même si en fait il y a énormément d'autres karmas négatifs, le pouvoir de ces karmas est tellement fort qu'en fait il est expérimenté immédiatement après la mort, en fait.
Parce qu'en fait, à part dans le royaume de la forme, chaque renaissance doit passer à travers les états intermédiaires. Donc, dans le royaume de la forme et le royaume du désir, après cette vie, vous reprenez naissance dans l'état intermédiaire. Et donc, vous repartez dans le royaume de la forme ou le royaume du désir, ça dépend. Et vous pouvez. Et donc, une fois que vous passez dans l'état intermédiaire, vous pouvez y rester une seconde ou plus longtemps, mais vous devez passer à travers cela. Et soit vous prenez naissance, en fait, dans un des enfers majeurs chauds, soit dans le dernier, c'est l'enfer inépuisable. C'est là où la souffrance est la plus longue et la plus dure. Hein. Et ça, c'est le résultat des cinq karmas à rétribution immédiate. Et donc, en fait, c'est sans un break, sans une interruption dans l'autre vie, c'est que, en fait, c'est ces karmas-là que vous expérimentez, en fait, c'est le résultat de ces karmas-là que vous expérimentez en premier, en fait. Et donc, vous imaginez. En fait, vous expérimentez le résultat de ces karmas-là, le karma de celui qui est le plus puissant, en fait. Sans aucun break, sans aucune interruption, vous allez expérimenter le karma de ces cinq actes de rétribution immédiate. Et si vous faites, et donc Rinpoche disait que si vous faisiez cette prière des 35 Bouddhas une seule fois de manière correcte, vous êtes capable de purifier en fait le karma négatif. Vous êtes capable de purifier ces karmas négatifs que vous expérimentez sans interruption d'une autre vie. Quand vous faites la pratique de confession, en fait, vous générez les quatre pouvoirs d'opposition. La confession est faite avec le remède des quatre pouvoirs. Et donc, en fait, quand vous faites la prière, vous ressentez du regret, un très très fort regret. Et donc, Rinpoche a dit que c'était comme ça. Vous ne pouvez pas imaginer le pouvoir que ça a, que c'est ces karmas, en fait, qui sont les plus durs, qui ont comme résultat de souffrance la plus longue et la plus dure souffrance du samsara. Ils peuvent être purifiés juste avec cette prière. Les karmas de cette vie-ci et les karmas des vies précédentes également. Et donc c'est pour ça en fait que la Matsongkapa a fait tellement de ces prosternations en fait. Il n'a pas fait tellement de Vajrasattva, mais tellement de il a fait énormément de prosternations. Et donc c'est vraiment très 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 bien. En fait, ça n'a pas besoin d'être seulement la récitation et la pratique des 35 Bouddhas, en fait. Mais en fait, n'importe où, vous pouvez vous prosterner, que ce soit dans votre pièce de méditation ou dans la compa, en fait, ça n'a pas besoin d'être seulement ça, en fait. En fait, l'idée, c'est que même si on ne peut pas se prosterner, en fait, de faire la prière des 35 Bouddhas, ce n'est pas seulement avec la prosternation, même dans la voiture, par exemple, quand vous êtes en train de conduire ou alors dans l'avion, vous pouvez faire, en fait, vous pouvez faire les prosternations, la prière des prosternations aux 35 Bouddhas. En fait, vous visualisez que le corps est en train de faire les prosternations, même si votre corps est assis.
Vous faites la visualisation que le corps est en train de se prosterner. Et là, vous accumulez encore un nombre incalculable de mérites. Et donc, vous êtes capable de libérer tous les êtres le plus rapidement possible de tous les océans de souffrance du samsara. Donc je voulais mettre un petit peu l'emphase là, sur cette pratique aussi. En fait, si vous voulez faire la pratique des 35 Bouddhas, vous pouvez la faire n'importe où. Vous visualisez juste que vous faites les prosternations. Et ça n'a pas besoin d'être fait avec les véritables prosternations. Donc vous pouvez la faire dans votre voiture, n'importe où. Et c'est une des choses les plus incroyables à faire. Hein. Donc, quand vous faites la prosternation et que vous commencez à vous baisser, à vous allonger, en fait, vous pensez, je me prosterne devant le nombre incalculable de Bouddha, de Dharma et de Sangha, stupa, statue, et tous les textes qui sont mon maître, en fait. Vous méditez de cette manière-là. Et ensuite, après ça, vous visualisez un nombre incalculable de corps et vous visualisez que vous recevez des initiations. Et donc, en fait, en tant que Tsenrezi à 1000 bras, vous couvrez les quatre directions, tous les coins du monde, jusqu'au champ de mérite, dans la Gompa, même dans le centre où vous êtes, même dans votre maison. En fait, si vous avez un hôtel, en fait, quand vous vous prosternez, en fait, vous imaginez ce nombre incalculable de corps qui se prosternent devant. En fait, vous visualisez tous ces corps qui se prosternent devant l'autel, en fait. Donc, vous imaginez tout le nombre de statues, d'images, de représentations qui sont représentées dans le monde et vous imaginez. Vous les voyez toutes comme étant votre maître racine. Et donc, en fait, quand vous voyez tout cela comme votre maître racine, vous accumulez encore plus de mérite. Et vous accumulez encore plus de mérite que si vous pensez simplement « je me prosterne devant l'autel ». Vous pensez que toutes ces représentations du Bouddha, tous ces textes sont le maître. Et donc de cette manière-là, vous accumulez vraiment un nombre de mérites incroyable. Bon, je crois que j'ai parlé beaucoup. Hein, donc je crois que c'est peut-être l'année prochaine ou l'année d'un. Dans la vie future, peut-être qu'on fera cette prière. Hein, Donc, n'importe où que vous fassiez les pratiques préliminaires. Hein, par exemple, quand vous faites un grand nombre de prosternations, donc en fait vous pouvez les faire un petit peu partout, mais en général, en fait, si vous les faites sur une haute montagne ou dans une maison qui a beaucoup d'étages, alors à ce moment-là. En fait, donc si vous, parce qu'en fait, vous créez autant de mérite que d'atomes que vous couvrez, en fait,
de là où se trouve votre cœur jusqu'au centre de la terre. Donc, en fait, vous créez les mérites pour vous réincarner un millier de fois en roi du Dharma. Donc, en fait, si vous vous faites ces prosternations en haut d'une très haute montagne, vous imaginez que vous imaginez que vous couvrez encore plus d'atomes de là où est votre corps hein, jusqu'au centre de la Terre. Donc, je veux pas dire en fait, par exemple, en haut du mont Everest, hein, là, ou alors vous amenez une petite tente en fait, mais c'est juste une idée générale en fait. Peut-être vous pouvez aller en haut d'une montagne très très haute. En fait, il faut penser la manière d'accumuler le plus grand nombre de mérites. C'est tout. Je pense qu'en fait, je n'ai pas inclus les Bouddhas, en fait. Peut-être que, en fait, les Bouddhas, les Bodhisattvas, en fait, ils ne pensent pas que ce soit mes mérites, en fait. Ils me dédient pour les êtres, en fait, pour nous. Les saints, tous les mérites qu'ils accumulent, en fait, ils ne pensent pas que c'est à eux. Ils les dédient pour tous les êtres. En fait, nous, on pense à ces mes mérites. En fait, c'est plus puissant, en fait, si on inclut tous les mérites. En fait, vous imaginez la bodhicitta en fait d'une seule personne, ce que ça peut faire, ce que ça peut représenter. Donc,
Donc cette dédicace, en fait, quelles que soient les souffrances que les êtres ont, puissent-ils mûrir sur moi, quel que soit le bonheur que j'ai, puissent-ils mûrir sur tous les êtres. En fait, même si on est malade, en fait, même si on n'a pas entraîné notre corps de la bonne manière dans le Lojong, en fait, on ne peut pas expérimenter cela pour le bienfait de tous les êtres. En fait, on n'a pas l'attitude correcte. Parce que l'esprit n'a pas été bien entraîné dans le Lojong. Et donc, dans ce Lojong, et en fait, même si c'est comme ça maintenant, le simple fait de faire une prière, en fait, et ce genre de prière ou de dédicace, en fait, c'est très très bien. Si vous voulez aider tous les êtres, si vous voulez amener du bonheur à tous les êtres, juste y compris amener l'éveil à tous les êtres, alors vous devez faire cette pratique extensive pour les autres. Et prendre la souffrance et les causes de la souffrance de tous les êtres sur vous-même et donner le bonheur et les causes du bonheur à tous les êtres. Et on doit vraiment entraîner l'esprit dans cette direction et on doit vivre. En fait, diriger notre vie vers cela. Même une toute petite prière comme cela, en fait, une petite pratique comme cela, en fait, on doit la faire parce que graduellement, c'est comme cela que l'on entraîne notre esprit de plus en plus. Et donc, ensuite, ça devient votre vie. Ça devient votre vie. Et quand vous avez la réalisation de la bodhicitta, alors naturellement, quand vous expérimentez des problèmes, en fait, vous êtes tellement heureux parce que, en fait, vous recevez tous les problèmes des autres êtres. Vous expérimentez les problèmes à la place des autres. Et ça, c'est quelque chose qui vous rend tellement heureux dans la vie. En fait, c'est comme si votre bonheur a réussi en quelque sorte. En fait, j'en ai parlé plusieurs fois, mais à Copan, par exemple, en fait, il pleuvait, en fait. Et on était dans l'ancienne Gompa, pas dans la nouvelle Gompa, mais dans l'ancienne Gompa. Et donc, en fait, il y a une statue de Tara et juste en face de Tara, en fait, pas juste devant la Gompa, mais en fait, ici, vous descendez un peu les escaliers et puis c'est plat. Et là, il y a un carré plein, en fait, pour descendre. Et Geshe Lama Khonchok était là et il a glissé, en fait, sur le ciment. Et il est tombé comme ça, quoi. Et j'ai entendu, et ça fait un son très, 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 très lourd. En fait, moi, j'étais en haut à l'étage et j'ai entendu parce que ça fait un son très. Et donc, il s'est fait mal, il est tombé très lourdement. Et donc plus tard, en fait, Geshe Lama, en fait, a dit que quand il était tombé, en fait, il est tombé très lourdement comme ça sur le sol, mais son esprit était incroyablement heureux, en fait. Il s'est dit, oh, mes obstacles, en fait, il a pensé qu'il recevait mes obstacles à moi, en fait, sur lui. Et donc, et voilà, c'est ça qui l'avait rendu très, très heureux, parce que juste au moment où tombait, en fait, son esprit était très heureux, parce qu'il pensait qu'il recevait mes obstacles. Et donc, quand, en fait, quand.
Donc en fait, c'est pas quand l'esprit est entraîné, en fait, il n'y a pas de dans le Lojong, dans l'entraînement de l'esprit, en fait, il n'y a pas de délai, en fait, hein, c'est comme ça. C'est pas plus tard ou le jour d'après que vous vous réjouissez, non, c'est tout de suite, en fait, et sans aucun délai. En fait, une histoire différente. En fait, une fois, j'étais à Tahiti. Donc, je pense que c'était la dernière fois que j'étais à Tahiti. Il n'y avait pas d'hôtel. Et donc il y avait Charles, le moine de Vajra Yogini, de l'Institut Vajra Yogini, Charles était là. Et en fait, Charles a fait à manger. Et il avait fait des énormes assiettes comme ça, énormes assiettes dans. Et donc. Et donc, il avait fait des assiettes énormes comme ça, avec une énorme salade. Et moi, je pensais que c'était toute la nourriture. Je pensais que c'était ça, en fait. Et en fait, donc, j'ai mangé la moitié de mon assiette. Et puis, en fait, après, il a encore amené de la nourriture, une énorme assiette, en fait. Et donc, et très, très grosse. Et donc, bien sûr, en fait. En fait, il y avait les bénédictions de Charles, en fait, dans ces. Donc, juste après ça, j'ai commencé à avoir mal, en fait. Mais ça, c'est mon karma, en fait. Et après, on devait. On était censé aller en Nouvelle-Zélande de là, en fait. Et donc, on devait voler à 2 heures du matin, en fait. Mais en fait, j'avais tellement, tellement mal, en fait. La douleur était tellement forte que j'ai commencé à vomir. Et j'ai commencé à vomir beaucoup et j'avais jamais vomi comme cela. Deux fois en fait. La première chose que j'ai vomi, c'était la salade. Hein? Et ensuite, le reste est arrivé. En fait, c'était pas du tout moins. Ce que j'ai vomi, c'est exactement ce que j'avais mangé. Il y avait autant en quantité, en fait. C'était pas du tout moins que la nourriture que j'avais mangée. Et donc, en fait, j'ai vomi comme ça. J'avais tellement mal. Mais alors là, pas du tout de transformation de la pensée, en fait. J'étais juste dans la douleur. Et donc Roger est arrivé en fait et il a dit et il disait comme ça, oh c'est tellement fantastique, c'est tellement fantastique. Et il disait, oh c'est tellement bien, c'est tellement bien. Et en fait, ce qu'il me disait, en fait, c'était de penser comme cela, mais en fait, je pouvais pas penser que c'était fantastique. Après, il sait, en fait, ce qu'il a dit, en fait, c'était correct, mais moi, j'avais tellement mal qu'à force de vomir, et bon, c'était une très très bonne expérience sur le karma. En fait, ce que je disais, c'est que
pour revenir à ce que je disais, c'est que même si vous ne pouvez pas vraiment échanger votre esprit, en fait, mais au moins de faire quelques prières et comme ça, votre esprit s'habitue graduellement, petit à petit, et votre esprit devient entraîné. Comme Geshe Lama Khyentsok, comme les Geshe Kadampa, comme les Bodhisattvas, en fait. Quelle que soit la souffrance des êtres, puisse-t-elle mûrir sur moi, quels que soient les bonheurs que j'expérimente, puisse-t-il mûrir sur les êtres. Ce sont les mots de Nagarjuna. Et donc, quelquefois, c'est très, très bien, en fait, de le réciter comme un mantra, en fait, de prendre le mala et de les réciter comme un mantra. C'est comme au Mani Padme Hum, en fait. C'est très, très bien. En fait, quand vous avez une maladie, en fait, quand vous êtes malade, c'est très, très bien, en fait. Quels que soient les problèmes que vous avez, en fait, c'est très, très bien de réciter comme ça, comme un mantra. Ou si vous voyez quelqu'un, vous voyez un ami à vous, en fait, quelqu'un qui est très, très malade, et en fait, vous faites cette méditation. En fait, que vous soyez à côté de lui ou pas, vous êtes dehors, que vous soyez en train de travailler, ça n'a pas d'importance. Mais en tout cas, vous faites cette méditation, en fait, de prendre sur vous les causes de la souffrance, le karma et les perturbations. Et vous le prenez, en fait, sur la pensée d'auto-chérissement. Et ça détruit la pensée d'auto-chérissement, en fait. C'est votre ennemi qui est détruit de cette manière-là. C'est très, très bien de faire comme ça. Et c'est très, très bon, en fait, pour que vous puissiez atteindre l'éveil le plus rapidement possible pour le bien de tous les êtres. Donc, c'est un peu comme ça. Et donc, aussi, en fait, quelquefois, ça peut également, en fait, guérir la maladie des gens. Même ça peut arriver des fois. Mais c'est très, très bien, en fait. C'est une très bonne chose à faire, en fait. Il y a tellement de paix, en fait, et de bonheur qui viennent dans l'esprit, en fait. Et puis, vous atteignez l'éveil beaucoup plus rapidement. Et donc, vous pouvez amener tous les autres êtres à l'éveil. Et donc, vous êtes extrêmement. Ça, c'est le bienfait, en fait. C'est le véritable bienfait. Et vous accumulez énormément de mérite. Et à partir de là, du coup, vous avez du bonheur, du succès. Vous avez le succès maintenant et pendant cette vie-ci et également le succès ultime qui est la libération et l'éveil total. Et à partir de là, vous pouvez amener tous les autres êtres à l'éveil. En fait, c'est une très bonne pratique. C'est très bien pour vous et c'est très bien pour les autres. Les bienfaits, c'est comme un nombre incalculable de bienfaits, des ciels remplis de bienfaits, en fait. Les mérites que vous retirez de cette pratique, c'est incroyable, c'est innombrable. Et ce que les êtres reçoivent de vous, c'est comme des ciels entiers de mérites. Do not exist from society.
achieve achieve Purusharthamabuddha's enlightenment, which exists but do not exist, doesn't exist from its inside, which is totally empty. Lead all sentient beings who do not exist from their own side, but totally empty. To that, Purusharthamabuddha's enlightenment, which do not exist, doesn't exist from its inside, which is totally empty. Now, myself alone, who do not exist from the side, which is totally empty. May they flourish forever in this world by completely exiled, not harm, not spam, but in the hospital, the spirit, the supporters, and there was a service organization, North Carolina, those who came to learn Dharma, and then those who served the center, and so it'll end in everybody in this world. Sure.